Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine pour découvrir à Saint-Étienne le musée d'art et d'industrie, c'est juste là. Never heard what the hell he's gonna do, but it's still gonna be all right. Mike, make a profound statement. Pull your car, introduce the sound that'll ruin ya, screwing ya in more ways than talk. Alors le musée d'art et d'industrie s'articule en trois collections, j'ai cru en voir une quatrième, donc sur les armes, les cycles et sur les rubans, on va voir ça. Petite anecdote, on forge des armes à Saint-Étienne depuis bien longtemps, puisqu'on profitait déjà depuis le Moyen-Âge des eaux pures du Furan ici pour forger des armes, bien sûr, mais aussi des faux, etc., etc. A few moments later. Ouais, donc là on a un plan du centre-ville de Saint-Étienne qui est ici, là on a le musée d'art et d'industrie, et si on prend le cours Fourriel ici, bien on a Manu France, ce qu'il en reste. Saint-Étienne, eh bien parce que c'est une des villes où est née la bicyclette française en 1886 avec Manu France qui a conçu donc les bicyclettes hirondelles à roues de taille égale et à chaîne de transmission. Et enfin, une autre facette du passé industriel de la ville de Saint-Étienne, c'est donc le métier à tisser, les rubans, etc. On appelle la fleur, donc le rose, eh bien il y aura les quatre navettes qui vont passer.
Bon, bah, vous l'aurez compris, le musée d'art et d'industrie, c'est un musée idéal pour en apprendre davantage sur l'histoire de Saint-Étienne. On peut remarquer que, quel que soit le thème abordé, c'est toujours sous l'angle artistique. Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on se retrouve pour une prochaine... I ain't afraid of no ghost.